pour réaliser ce poncho. Donc il est vraiment réalisable et adaptable à toutes les tailles. Donc je vais utiliser de la laine qui se tricote en 4-5. Donc les pelotes font 100 grammes avec un métrage de 241 mètres. Donc je pense en utiliser 2 à 3. Et des aiguilles numéro 5. Donc pour savoir le nombre de mailles qu'il vous faut monter, il vous suffit de prendre votre encolure. Parce qu'en fait on va commencer en haut pour tricoter en bas. Donc en fait on va commencer du haut pour venir en bas. Ça se tricote en top down. Donc on prend l'encolure et il faut obtenir un nombre de mailles divisible par 4. Donc dans mon cas, je veux le réaliser pour une enfant de 2 ans. Je vais monter avec mes aiguilles numéro 5, 60 mailles, qui est divisible par 4. Je monte donc mes 60 mailles. Lorsque j'ai terminé de monter toutes mes mailles, on va travailler en 4 parties à chaque fois. Donc vous allez voir, c'est très très simple. C'est vraiment la raison pour laquelle il faut avoir un nombre de mailles divisible par 4. Et ça, peu importe la taille que vous fassiez, que ce soit pour un bébé, que ce soit pour taille adulte, il faut un nombre de mailles divisible par 4. Et la taille dépend vraiment de l'encolure. C'est uniquement ça le point de départ. Ensuite, vous pouvez faire vraiment à n'importe quelle taille. Donc pour commencer, comme je suis partie sur 60 mailles divisé par 4, ça me fait 15 mailles à chaque fois. Ça me fait un découpage de 15 mailles. Donc je commence par tricoter une maille, je fais un jeté et ensuite je soustrais 2 mailles à mes 15 mailles. Je vais donc tricoter 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais faire un jeté et retricoter une maille. Donc j'ai un premier découpage. Je place un anneau marqueur. Donc j'ai tricoté 13 mailles au centre, mais une maille ici et une maille au départ. J'ai donc mes 15 mailles de découpage. Et je recommence la même chose. Je tricote une première maille. Je fais le jeté. Je tricote 13 mailles. 2, 3, 4, 5 et 13. Je fais un jeté et je retricote une maille et je place un marqueur. Donc ça me fait déjà 2 parties de ma divisibilité. Oups, je sais pas si ça se dit. J'ai donc 15 mailles ici, 15 mailles ici. Donc si par exemple vous étiez parti sur 100 mailles, ça vous ferait diviser par 4, 25 mailles. Vous auriez tricoté 23 mailles au centre. Faites une maille, un jeté, 23 mailles, un jeté, une maille. Vous avez votre découpage de 25 mailles. Et là, on termine donc jusqu'au bout, tout le temps la même chose. Une maille. Donc on répète 4 fois l'opération en fait. Et toujours avec un jeté entre la première maille, après la première maille. Donc j'ai fait une maille. Toujours, on répétera tout le long de l'ouvrage. Une maille. Un jeté, nos mailles centrales, donc dans mon cas le nombre de mailles centrales est de 13, un jeté,
et une dernière maille. Ensuite, je place un anneau marqueur et je recommence. Donc ma quatrième partie, une maille, le jeté, mes mailles centrales, et le dernier jeté avant la dernière maille. Donc vous voyez, j'ai mes quatre parties. J'ai une première partie, une deuxième, une troisième et ma quatrième partie. Pour le second rang, on tricote toutes les mailles ainsi que le jeté. Je tricote mon jeté et arrivé à l'anneau marqueur, je le glisse tout simplement et je continue à tricoter. Donc on finit ainsi tout le rang. Et chaque fois qu'on arrive à un anneau marqueur, on le glisse tout simplement. Au troisième rang, donc on va faire exactement comme on a fait au premier rang. Comme on a eu deux jetés, et ben nos mailles centrales ne sont plus de 13 mais de 15 mailles. Donc on augmentera à chaque fois, on aura deux mailles supplémentaires à chaque découpage. Donc du coup ça reste la même chose. On tricote toujours une première maille, un jeté, nos mailles centrales. Donc dans mon cas maintenant j'en ai 15. Vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de compter à chaque fois puisqu'on a notre anneau qui est ici. Donc à la dernière maille, avant la dernière maille, nous faisons notre jeté. Et on tricote la maille. Donc il y a toujours un jeté avant la dernière maille et un jeté après la première maille. Toujours. On glisse notre anneau marqueur et on refait la même chose. Donc notre première maille, un jeté, nos mailles centrales. Et le jeter avant la dernière maille. Donc on continue ainsi tout le long de notre ouvrage, toujours de la même manière. Donc un rang comme ça avec des augmentations par jeté et un rang où on tricote toutes nos mailles. Ainsi que nos jetés. Donc en fait, on répète toujours le rang numéro 1 et le rang numéro 2. Voici donc ce que l'on obtient au bout de plusieurs rangs. Donc là, j'ai environ une trentaine de centimètres de hauteur. Et je vais tout simplement rabattre toutes mes mailles. Donc pour avoir la bonne hauteur, il faut mesurer au niveau du cou jusqu'au bas du ventre. Donc peu importe la taille que vous avez fait, il faut vraiment pour avoir quelque chose d'assez long. Donc l'idéal lorsque l'on rabat nos mailles sur ce dernier rang, c'est de rabattre les mailles sur un rang où on a fait des jetés. Comme ça on n'a aucun décalage. Et on rabat donc toutes les mailles. Voici ce que l'on obtient une fois que l'on a rabattu toutes nos mailles. Donc à ce stade, vous voyez que ça fait vraiment une très jolie finition. Il ne reste plus qu'à réaliser la capuche.
Donc pour réaliser la capuche, c'est très simple. On va tout simplement monter la moitié du nombre de départ plus 10 mailles. Donc peu importe la taille que vous avez fait, vous montez le nombre, la moitié du nombre que vous avez monté au départ plus 10 mailles. Donc comme j'ai monté 60 mailles au départ, j'ai un total de 60 mailles. Je vais donc monter pour la capuche 40 mailles. Donc je monte mes 40 mailles. Donc pour être clair, si par exemple vous êtes parti sur une base de 100 mailles, vous monterez 50 mailles plus 10 mailles, donc 60 mailles. Mais là, pour la taille que j'ai montée, donc j'ai monté 60 mailles, je remonte donc pour la capuche 40 mailles. La moitié de 60 étant 30 plus 10 mailles. Puis on va tout simplement tricoter tout au point de mousse, donc toutes nos mailles et tous les rangs, tout à l'endroit, et uniquement en mailles individuelles. Il n'y a rien d'autre à faire que de tricoter les mailles tout droit, tout à l'endroit. On ne fait plus de jetés, on va tricoter simplement un rectangle. Lorsque l'on obtient une bande d'environ 45 cm, on va tout simplement rabattre toutes nos mailles. Et on aura terminé donc la capuche. Il ne va plus nous rester que la partie assemblage. Une fois que l'on a rabattu toutes nos mailles, on va tout simplement la plier en deux et faire une couture tout le long. Simplement coudre maille par maille. On continue ainsi tout le long. Une fois que l'on a terminé la couture de notre capuche, on va la positionner donc comme ceci, la couture au centre du dos, et on va venir coudre tout autour du poncho, donc jusqu'à ce niveau-ci. Vous voyez, c'est le début de l'encolure. Donc on va coudre ainsi tout le tour, tout autour de l'encolure, notre capuche. Voici ce que l'on obtient une fois la mise en place de la capuche. Donc j'ai fait un petit revers, ce qui fait plus sympa. Il ne reste plus donc à faire une petite couture. Donc on va laisser environ 5 cm d'ouverture et on va coudre tout le reste et on va placer un petit bouton à ce niveau-ci. Donc là je vous dis, vous laissez à peu près 5 cm et vous faites une couture sur tout le reste. Donc en respectant bien rang par rang. Alors pour vous faire voir ce que j'appelle rang par rang, donc vous voyez, on pique directement dans le fil et on vient piquer après dans celui à côté. Comme ça, il n'y a aucune marque. Donc on continue ainsi en laissant une ouverture d'environ 5 cm. Voici ce que l'on obtient une fois que la couture est terminée. J'ai également cousu un bouton qui a un diamètre d'environ 1 cm. Donc vous allez vous dire, elle n'a pas fait de boutonnière. Donc c'est normal, parce qu'en général, il reste toujours
un fil. Donc on a le fil qui nous a servi à la couture et qui nous a servi au montage des mailles. Donc ce fil, on le met sur une aiguille à laine et on va tout simplement faire une boucle comme ceci. Et je vais avoir ma petite boutonnière. Il ne reste plus donc qu'à faire un nœud. Et voici comment obtenir notre boutonnière. Donc il faut bien vérifier à pas trop serrer, qu'on puisse facilement retirer le bouton. Et on n'a plus qu'à faire un nœud. Voici donc ce que vous devez obtenir une fois terminé. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait tout simplement un carré, mais fait en une pièce. Vraiment très facile à faire, adaptable à toutes les tailles, puisqu'en fait on part de l'encolure et on tricote jusqu'à ce que l'on ait la taille souhaitée. Donc peu importe que ce soit pour enfant, bébé, adulte, on part toujours sur la même base. Donc un plaisir à faire et c'est vraiment très sympa à porter, c'est vraiment très tendance actuellement. Donc vous pouvez au gré de vos envies faire des modifications, donc faire des franges, rajouter un pompon au niveau de la capuche, mais moi je le préfère vraiment comme ceci. Et pour info, donc dans cette taille que j'ai faite en 24 mois, rappelez-vous, je n'ai usé que deux pelotes.